La MSA de Franche-Comté s'est associée au Secours Populaire Français de notre région dans le cadre des Pères Noël Verts. Il s'agit d'une action solidaire menée par le Secours Populaire Français depuis 1976. Les Pères Noël Verts collectent des jouets et denrées alimentaires pour les remettre aux familles les plus fragilisées pendant les fêtes de fin d'année. Chaque participant à cette opération avait la possibilité de déposer ses dons dans l'une des 8 agences ou sites de la MSA de Franche-Comté. La MSA a également récupéré les dons directement au domicile des donateurs. Dans chaque département, comme ici dans le Doubs, le Secours Populaire est venu récupérer les jouets et denrées alimentaires récoltées, ainsi que les paquets de papillotes offerts par la MSA de Franche-Comté. Le comité d'entreprise de la MSA de Franche-Comté a également remis un chèque de 100 euros au Secours Populaire. Certains salariés de la MSA de Franche-Comté se sont investis pour faire de cette action une réussite, à l'image de Julie Moutarlier qui a mobilisé les habitants de plusieurs villages près de Dole dans le Jura. J'ai trouvé l'idée intéressante de développer l'action sur le village et les villages alentours avec les parents d'élèves des écoles. Le service com a travaillé à différents tracts et affiches pour communiquer sur le projet. On a refait le point pour modifier quelques petits éléments qui s'adaptaient davantage au secteur et puis à la collecte. Alors du coup, avec les parents d'élèves, on a pu entreposer dans un lieu spécifique tous les dons pendant cette semaine. Et ensuite, on s'est organisé MSA Secours Populaire pour venir chercher les jouets pour les enfants, pour qu'ils puissent les préparer pour Noël. Alors il y a eu beaucoup de jouets, plus que ce qu'on imaginait, donc ça c'est la bonne nouvelle. La MSA de Franche-Comté a récolté plus de 900 jouets, environ 50 kg de denrées alimentaires et a offert 900 paquets de papillotes. Nous remercions l'ensemble des adhérents, délégués et salariés de la MSA de Franche-Comté qui ont participé à cette action aux côtés du Secours Populaire. Ne ratez pas les prochaines actions de la MSA de Franche-Comté en vous abonnant à cette chaîne YouTube, sans oublier d'activer la cloche des notifications.